les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour tous les signes zodiaques, suivie d'une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et n'hésitez surtout pas, à me laisser des commentaires juste en bas de cette vidéo, ok? Alors c'est parti, sans plus tarder, voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Hi, angels, please give me a reading for all my zodiac signs. Hi, angels, please give me a reading for all my zodiac signs. Please, can I please have a reading for all my zodiac signs? Please, thank you so much. Can I please have a reading for all my zodiac signs? Please. Thank you. Alright. Alors, pour essayer d'en partir d'entre vous, il est important ici pour vous d'essayer de prendre des risques. Ok? C'est peut-être ici des risques que vous devez prendre dans vos business, dans vos affaires. C'est peut-être ici des risques aussi que vous devez prendre quand il s'agit de certaines collaborations. Pour d'autres, c'est peut-être ici des risques que vous devez prendre dans une relation amoureuse. Alright? Mais on a ici des anges qui me disent qu'il est important pour vous de commencer à prendre des risques. Peut-être que depuis un certain temps, vous dormez sur vos lauriers, vous ne bougez plus comme avant. Pour d'autres, on a même ici quelqu'un qui est en train de prendre du poids. D'accord? So, depuis un certain temps, vous ne bougez plus comme avant, vous essayez de jouer la défensive. Vous essayez de toujours avoir des accords sympathiques avec les gens. You know, ça dépend maintenant de quelle situation dans laquelle vous êtes. Mais on a ici des anges qui disent que c'est désormais l'heure d'être à l'offensive. C'est désormais l'heure d'être à l'attaque. C'est désormais l'heure ici pour vous de vous battre comme vous pouvez pour pouvoir avoir le désir de votre cœur. Pour pouvoir ici conquérir certaines choses, conquérir certaines nations, conquérir certaines situations, conquérir ici même un domaine en particulier qui est peut-être en rapport avec vos affaires, votre business. C'est le moment ici pour vous de prendre ce qui vous est dû de droit. Et il y a des changements qui doivent avoir lieu. Il y a des attaques qui doivent avoir lieu. Il y a des... you know, il y a des choses que vous devez faire qui doivent se passer. D'accord. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me disent que c'est le moment ici pour vous d'imposer vos lois. D'imposer vos lois, d'imposer vos conditions, de faire de telle sorte que les gens qui sont autour de vous vous respectent. Dans un certain sens du terme, il y a ici plein de personnes qui vous ont toujours pris comme un ça fait rien. Il y a ici des gens qui vous ont toujours pris comme quelqu'un de pacifique, comme quelqu'un ici qui ne sait pas se défendre. Et il y a des gens qui ont toujours abusé de cela, abusé de votre gentillesse, abusé de votre bienfaisance, abusé ici de vos capacité à rester calme. On dit méfie-toi de l'eau qui dort. Méfie-toi de l'eau qui dort. Ok? Ça peut être à partir d'entre vous, il est temps pour vous aujourd'hui de reprendre ce qui vous est dû de droit. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me parlent d'héritage. Peut-être même que c'est une situation qui est en rapport avec un héritage qui vous a été légué par votre père, votre mère, votre grand-mère. On a peut-être ici aussi quelqu'un qui a le monopole de certaines choses qui sont à vous et vous devez vous défendre. Pour d'autres, les anges ici me parlent d'une situation qui est plus en rapport avec des enfants. Pourquoi la caméra là me fait ça même? Attendez, je cherche à trouver le point spécifique. So, pour certains, c'est peut-être ici quelque chose qui est en rapport avec des enfants. Reprendre le contrôle d'une situation pour des enfants, à cause de vos enfants. Et pour certains, c'est peut-être même ici un peu plus en rapport avec un divorce que vous êtes ici en train d'avoir avec une personne. Et on a quelqu'un qui veut vous arracher vos enfants. On a quelqu'un qui veut vous enlever vos enfants. On a ici quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez le parent que vous êtes pour vos enfants. C'est le moment de vous défendre. D'accord? Emmener certaines choses en justice, emmener certaines choses devant la cour, réclamer vos droits.
Les anges aussi ici me parlent de soutien. Sauf pour certains, si vous aviez des problèmes depuis un certain temps, problèmes financiers et tout ça, les anges ici me disent que vous allez très bientôt trouver le soutien financier dont vous avez besoin. Mais il y a des gens qui ne sont pas heureux ou encore qui ne sont pas contents de vous voir dans votre énergie de dominance. Faites attention avec des problèmes familiales, des problèmes avec les voisins. Faites attention ici avec, des collègues même avec qui vous travaillez depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois. Tout allait bien et tout d'un coup, les gars commencent à vous critiquer derrière votre dos. On a maintenant ici des collègues qui commencent à vous critiquer derrière votre dos. Pourquoi? Pour une partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une situation un peu plus complexe que prévu. Oh, mais j'ai des problèmes avec la caméra aujourd'hui, moi. Désolée. Hein. Donc, c'est peut-être ici une situation un peu plus problématique que prévu parce que dans un certain sens, les gens qui ne supportent pas votre... j'ai pas envie de dire votre arrogance, mais j'ai plus envie de dire votre confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous faites. Peut-être même que dans le passé, vous preniez pour habitude de toujours vous disputer avec les gens pour imposer vos idées. Surtout si c'est un travail en groupe qui est fait, un travail en groupe qui était fait. Vous aviez ici pour habitude de, voilà, essayer de travailler en groupe avec les gens, toujours vous débattre pour que les gens écoutent vos idées, entendent vos idées. Vous avez arrêté tout ça. Désormais, vous êtes simplement confortable dans votre savoir. Vous ne partagez pas tout ce que vous savez avec vos collègues ni avec vos partenaires, mais en même temps, vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Et il y a donc des gens qui vont commencer à être complètement jaloux de votre prestance, complètement jaloux de votre présence, complètement jaloux de ce que vous apportez sur la table. Ok? Here. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me parlent d'une certaine autonomie financière à soi que vous risquez de bénéficier très bientôt. Si on a ici quelqu'un qui vous doit de l'argent, je vous vois en recevoir. Mais pour d'autres, je vous vois ici changer de classe sociale. Il y a quelque chose qui risque de se passer dans vos finances qui va carrément changer votre classe sociale. So, il est important ici pour vous de garder les yeux ouverts, de garder votre tête ouverte. De garder votre tête ouverte et de vous rendre compte ici que, comment ça s'appelle, vous n'avez rien à craindre quand il s'agit ici de vos finances, quand il s'agit ici de vos idées. Pour une partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui s'apprête à ouvrir un business, ouvrir, une entreprise qui va être une entreprise vraiment très bénéfique pour toi. So, il est important ici pour toi de continuer d'investir ton argent dans cette entreprise, d'économiser ton argent. Pour d'autres, on a peut-être même ici quelqu'un qui veut s'ouvrir un restaurant ou une boulangerie, quelque chose comme ça. Et on a les anges qui disent que cela va être vraiment très, très bénéfique pour toi. So, il est important ici pour une personne de continuer de travailler dans le sens où il s'en va et de savoir que peu importe ce que les gens vont essayer de te faire, même si les gens essayent de t'attaquer dans tes finances, ces gens-là ne pourront pas ôter de ta vie quelque chose qui ressemble à cette bénédiction, cette confortabilité et cette prestance-là qui est en corrélation avec ton existence. Ok? Pour une partie d'entre vous, apprêtez-vous à être trahi. Apprêtez-vous à être trahi, parce que je vois ici quelque chose qui est en rapport avec de la trahison. On a ici quelqu'un qui veut vous trahir, quelqu'un qui va vous trahir. C'est le moment pour vous de faire très attention aux gens qui sont, entre guillemets, vos amis, famille, tout ça. So, faites très, très, très attention. Je vois ici quelqu'un qui souhaite vous trahir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes dans la politique, etc., faites attention à un coup d'État. Il y a un coup d'État qui se prépare contre un président. Over here, on a ici quelqu'un qui est d'une religion musulmane, dont je ne sais pas c'est quel pays, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai entendu Mali. J'ai entendu Mali, d'où? Mali, vers là-bas. C'est vers là-bas. OK? Mais pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un autre pays or something like that. Mais je vois ici quelque chose qui est en rapport avec des musulmans. OK? Ce n'est pas les musulmans qui ont porté Boubou là.
Parce que vous dites, mais là, tu dis quoi? Moi, je ne sais pas. Oh, all right. So, yeah. So, si vous êtes ici en politique, faites attention ici à un coup d'État. Non, pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même le troisième coup d'État. Je ne sais pas de quoi je parle. Donc, on a peut-être ici quelque chose qui est en rapport avec la, une troisième fois. Un coup d'État que certaines personnes risquent d'essayer de faire une troisième fois. So, pour une partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici échappé à la mort trois fois. Il y a quelque chose qui s'est passé en mars. Il y a quelque chose qui s'est passé en... Il y a quelque chose qui s'est passé en mars. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé le 8. Ou il y a quelque chose qui était censé se passer le 8 ou en août. Ou quelque chose qui s'est passé en août. Et il y a quelque chose qui s'apprête à se passer encore. On a ici des gens qui ne veulent pas voir une personne au pouvoir d'ici l'année 2024. Ce pour certains, faites ici attention à quelque chose qui est en rapport avec un coup d'État. Non, pour une autre partie d'entre vous, pour une partie d'entre vous, si c'est un peu plus spécifique, genre personnel, les anges ici disent de faire très très attention à quelque chose qui est en rapport avec une trahison. Surtout si vous êtes quelqu'un, vous marchez en groupe, vous êtes tout le temps en train de marcher en groupe, ou disons que vous avez, voilà, vous avez des amis, la famille, vous avez des amis, vous aimez marcher en groupe avec la famille. C'est le moment d'arrêter de marcher en groupe avec des gens. C'est le moment. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, quand Lala parle, on n'écoute pas. Quand vous regardez les vidéos là, passez sur YouTube, vous cliquez pas pour écouter. C'est quand c'est, ça a fini de tout a pété là-bas. C'est quand tout a pété là-bas. C'est là maintenant vous cherchez. Est-ce que Lala n'avait pas... Maintenant, venez chercher les vidéos. Ne regardez pas les vidéos tous les jours. Hein. Restez là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous là-bas. Regardez seulement après. C'est quand tout a pété que vous venez. Bref, si vous êtes parti, si vous êtes ici le genre de personne, vous marchez toujours en groupe, toujours en groupe, toujours en groupe avec les amis là, en groupe, en groupe, en groupe. Je vous vois, vous tous, aller en prison. Pourquoi? C'est quoi? C'est peut-être quoi? Une bataille, une dispute, un vol, quelque chose qui tourne dans le mauvais sens. Et toi, pauvre innocent que tu es, tu te retrouves en prison avec tes amis. On ne peut même pas te faire sortir parce que la situation est beaucoup plus grave que prévu. Il n'y a même pas de caution pour te faire sortir de prison. Le juge dit donne pas. Quand je parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une violence conjugale, ça fait pas trois fois que je dis ça. Je pense que ça fait trois fois que je dis ça. Les vidéos passées là, les deux dernières vidéos là, affaire de violence conjugale, est sortie dedans à chaque fois, deux fois. Là maintenant, c'est la troisième fois que je dis ça. Parce que moi, j'aime pas me répéter. Donc quand je dis des choses, puis je me répète, je sens que je me répète là. Ma tête sonne. J'aime pas la répétition. On a ici quelqu'un qui est dans une violence conjugale. Tu ne veux pas sortir de la violence conjugale dans laquelle tu te trouves. Tu continues de rester marié avec cet homme. C'est peut-être aussi une femme. Il y a des femmes qui sont violentes. On va se dire la vérité. Très violentes. Bref. Donc, on a ici quelqu'un qui ne veut pas... non seulement tu ne veux pas sortir d'une relation conjugale qui est violente, mais en plus, tu ne veux pas dénoncer la personne. Tu es assis là-bas. C'est quand ton corbia va être soulevé du salon jusqu'à la morgue, que peut-être que tu te retourneras dans la tombe pour dire, oh, si je savais, j'allais dénoncer. Tu as quel problème même? Il y a des gens, moi, je ne les comprends pas, quoi. Tu as quel problème, même? C'est-à-dire que souvent, il faut parler jusqu'à ce qu'il faut se fâcher, quoi. Tu as quel problème? Je ne sais pas. On dirait affaire d'amour. Il y a des gens, même, vous êtes amoureux, mais vous êtes amoureux à l'envers, hein? On aurait se dit la vérité. Vous êtes amoureux, mais vous êtes amoureux à l'envers. Vous êtes amoureux, mais vous êtes amoureux, je ne sais pas. Ça, c'est quel amour, ça? Oh! Ça, c'est quel amour, ça, même? Et ne pensez pas que je suis assise ici en train de dire les choses que moi, j'applique pas dans ma propre vie. Ah oui, oui, oui. Moi, dès que c'est bizarre, je m'en vais.
Moi, dès que c'est bizarre, je m'en vais. Et puis, si je vois que tu es bizarre même parce que je suis partie, tu vas aller en prison. Parce que je n'ai pas... Pardon! Mais il y a des gens même, je ne sais pas ça, c'est quel genre d'amour ça. Vous êtes attaché. Hmm? Attaché avec le gars, la go, oh, mais je l'aime, oh. Mais je l'aime, oh. C'est... Qui va te trouver au salon là-bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Je sais pas. Et puis, en plus, c'est toujours les gens qui sont dans les relations, hein, les pauvres, qui n'ont pas l'argent, là. Qui sont dans les conneries comme ça. Le gars n'a pas l'argent et puis il te frappe. Moi, mais je comprends pas. Même s'il a l'argent et puis il te frappe. Tu es dedans, mais pourquoi? Oh, je suis en train de m'énerver, même on dirait. Désolée, c'est les énergies. J'étais en train de m'énerver, même on dirait même que je suis en train de parler à ma petite soeur. Ah, c'est sûrement une petite fille qui a un certain âge là-bas. Ou bien une grande dame qui a un âge, mais dans sa cervelle là, elle a 23 ans. Je sais pas. Je vais quitter ici, mais ça m'énerve. Non! On se dit les vérités. Tous les jours, on va appeler les assistances sociales de dépression. Mais sors de là! Oh non, je suis en train de me fâcher. Pour une autre partie, non, si vous devez l'argent à quelqu'un, si vous devez les vierges là même, j'ai pas encore fait vidéo des vierges, non, ça c'est vidéo de tous les signes, je comprends pourquoi c'est plein de conneries comme ça. Comment ça s'appelle? Si vous devez de l'argent à quelqu'un, pardonnez, allez-y payer l'argent que vous devez à la personne, vous allez rentrer à la maison. Payez vos dettes, vous allez rentrer à la maison. Alright, on va maintenant passer à la lecture. Ouh, je suis en retard. On va maintenant passer à la lecture des vierges. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos, please, thank you. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos. Let me see if I have for my Virgos. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos, please. Let me see if I have for my Virgos. Thank you so much. Les vierges, hein? Je sais pas, on a peut-être ici encore. On a ici quelqu'un qui est malade, mais ça c'est qui est malade même qui veut pas se soigner là même. Parce que je peux pas passer toute ma vie à faire lecture et puis 1, 2, 3, il y a quelqu'un qui est malade. 1, 2, 3, il y a quelqu'un qui est malade. 1, 2, 3, il y a. Mais vous là même, vous avez quel problème? Peut-être c'est parce que les gars là ne m'écoutent plus. Les gens ne regardent plus mes vidéos, hein. Je ne regarde plus mes vidéos. J'ai commencé à regarder mes vidéos là, comme ça les messages là vont commencer à avancer. Je vous demande pardon. C'est quoi ça? On a dit quelqu'un qui est malade, soit la personne ne veut pas se soigner, soit peut-être aussi la personne est malade d'une maladie grave. Il y a une maladie persistante ici, là. Parce que les maladies persistantes, là, on connaît. C'est peut-être cancer, je ne sais pas, les trucs d'organes, les choses comme ça. Attention à votre santé. Je vais être honnête avec vous. Non, pour une autre partie d'entre vous, on a ici les vierges dans un certain sens, je ne sais pas. Il est probable qu'il n'y a pas vraiment de... Les choses ne bougent pas vraiment dans votre vie actuellement. Ou peut-être que c'est vous-même, vous êtes un peu indécis. Indécis vis-à-vis de certaines décisions que vous devez prendre. Peut-être vis-à-vis d'un mariage, vis-à-vis de vous-même, votre propre santé. Ou encore de votre avancée. En tant que tel, vous êtes ici indécis. Vous ne faites pas de... Vous ne bougez pas. Les anges ici me disent que vous êtes en train de réfléchir. Vous réfléchissez. On ne sait même pas vous réfléchissez à quoi. C'est peut-être... ça ressemble à quelqu'un qui ne travaille plus. Et c'est l'heure de retourner au travail. Et puis bon, tu n'as pas envie de retourner au travail. Donc tu es assis et puis tu réfléchis. Est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer cette carrière, machin? Vous prenez trop le temps à prendre une décision. D'accord? Parce qu'on a ici les anges qui disent qu'à force de prendre le temps pour prendre des décisions ou encore à force de prendre C'est comme quelqu'un qui est à la retraite, qui sait qu'il n'est pas censé être à la retraite, mais qui veut forcément être à la retraite, et puis ça ne t'arrange pas. Ou encore, c'est un peu comme quelqu'un qui avait son propre business, qui a décidé de fermer boutique, de ne plus avoir son propre business pour travailler pour les gens. Et tu sais que ça ne te va pas, mais tu es dedans. Tu es employé alors que tu sais que tu mérites mieux. Tu es employé alors que tu sais que tu dois avoir toi-même tes propres affaires. Tu rends les gens millionnaires, et puis toi-même tu es millénaire. On continue.
OK? Donc, on a ici quelqu'un qui, dans un certain sens, bloque ses propres bénédictions. C'est un peu comme si, puis c'est un parti dans vous, au lieu d'avancer, vous allez en arrière. Au lieu d'avoir le diable à vos trousses, vous-même, vous êtes votre propre diable et vous mettez des barrières autour de vous qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent ici d'atteindre, comment ça s'appelle, un certain bénéfice financier, un certain bonheur financier, une certaine liberté financière. Dans un certain sens, vous vous bloquez vous-même pour ne pas atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Réfléchissez trop, vous prenez trop de temps pour trouver des solutions à vos problèmes, vous prenez trop de temps pour trouver des résolutions à vos situations. Il est important ici pour vous de faire des efforts. On a peut-être même des gens qui essayent de vous encourager, des gens qui essayent de vous donner des idées, des gens qui essayent de vous inspirer. Et il est probable que vous n'êtes même pas inspiré par quoi que ce soit. N'oubliez pas, cette lecture peut s'adresser à vous ou à quelqu'un qui est autour de vous. OK? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un frère, il est important ici pour vous de faire attention aux besoins de votre frère. Je vois ici quelqu'un qui a un frère qui a des problèmes d'argent ou encore des problèmes de maison. Puis c'est une partie d'entre vous, on a ici votre frère qui passe par certains problèmes financiers, mais il ne vous dit pas qu'il est en train de passer par certains problèmes financiers. On a peut-être ici un frère qui a besoin d'aide. On a peut-être ici quelqu'un à soi qui est en train de perdre sa maison ou encore quelqu'un qui a perdu sa maison mais qui ne sait pas demander de l'aide. OK. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici une situation que vous devez amener en justice très bientôt. Ou encore pour d'autres, peut-être que vous travaillez dans la légalité. Peut-être que vous êtes docteur, avocat, juriste. Ou encore, vous êtes en tout cas dans la légalité. Pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être aussi ici dans une situation où on a quelqu'un qui est censé se confesser. On a ici quelqu'un qui doit se confesser de certains péchés. Je ne sais pas ce que ça a à voir dans cette lecture. Moi, je m'en vais. Alright? Donc voilà, c'était moi. J'espère que vous avez apprécié. Bisous tout le monde. Bye bye. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, pas ce week-end, je ne suis pas disponible. Avec moi bientôt, n'hésitez surtout pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. Le premier lien est juste en bas de cette vidéo. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.